suivant à votre avis? Chut, alors là on a une bonne réponse. Des cailloux. Des cailloux au fond de la mare, en effet les cailloux c'est pas vivant. Je pense que là on peut pas dire le contraire. De la terre. De vivant dans une mare. Des poissons. Ok, bonne réponse. Des têtards. Des têtards, ça marche. Vivant. Ah, je sais, et les canards? Alors au-dessus de l'eau on peut avoir des canards, ça marche. Des algues. Des mouches. Des mouches. Des nénuphars. Les nénuphars, tu vois, ceci ça marche. Dans ces plantes, vont se cacher, vont se nourrir des plantes. Quoi? Alors des crevettes, des larves de libellules, comme j'ai entendu tout à l'heure. Vous m'avez dit des petites bêtes, comme j'étais en train de chercher. Alors toutes ces petites bêtes qui sont là en jaune, on va leur donner un nom, c'est les invertébrés. Voilà. Et si cela n'existe plus, il y aura beaucoup moins de substances au fond de l'eau pour refaire pousser les plantes en plus. Donc voilà ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. C'est celui-là que vous avez trouvé, ça s'appelle comment ça? Un gamard, gamard ou crevette d'eau douce. Donc vous l'avez trouvé, je vous en donne un autre à observer. Il y en a une de rose, une, deux et trois canons. Il y en a deux des deux côtés roses. Je peux regarder rose. Là. Hop, ça qui pleut. Il va plus. Ça va arroser tous les champs, les maisons, ouais. Et ça va faire. Non mais là, regardez la rivière. La rivière elle monte. Et elle déborde. Alors, quand est-ce qu'on a des inondations alors? On se met plus au-dessus des maisons. Bon, enfin, ouais, on construit les maisons plus en hauteur par rapport à la rivière. Ça, ça permet d'éviter les inondations. Ok. Ah, vous voyez, hop, ça ne fait que glisser. Et puis ça forme une flaque ici. Une flaque d'eau. Celui-là. Une loutre. Une loutre, c'est bien. Et celui-là. On connaît ça forme. Musqué. Ok. Alors cet oiseau, c'est le fou de bassin. C'est un des plus beaux pêcheurs marins parce qu'il a une technique qui est très spectaculaire qui consiste à prendre de l'altitude, survoler évidemment la mer. Et lorsqu'il repère un banc de poissons, il va faire quoi? Il va plonger en piqué. Il va faire un magnifique piqué et il va prendre de la vitesse en plongeant. Alors, quelles caractéristiques ont-ils en commun ces becs? Leurs becs sont pointus. Pointus, très juste. Quelle lettre se vous fait penser la forme du cou du cygne? S. Bravo. Il va attraper quoi? Les plantes. Les plantes, car c'est un grand mangeur de plantes. Il va arracher toutes les plantes aquatiques et il peut aller les chercher bien plus loin qu'un canard, puisqu'il a un cou encore plus long et il peut aller à 1,50 m au fond de l'eau chercher sa nourriture. Rémi Vendrat de la Maison Familiale Rurale de Coqueraumont. Je suis enseignant formateur auprès de BTS Gestion et Protection de la Nature. Dans le cadre de leur BTS, les étudiants sont nés à spécialiser en animation nature. Et donc nous sommes ici à la Semaine de l'eau pour qu'ils puissent réaliser des animations sur la thématique de l'eau justement auprès de centres aérés. Allez doucement, ouais. Mais tu vois ça glisse hein. Vous avez vu? Ah, tu le feras tout à l'heure. Donc en fait il a un long bec et comme je vous ai dit des grandes pattes. Non le tuba celui-là. Bien, vous avez pile au milieu. La Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime, bien sûr, est heureuse d'être ici sur la commune de Montivilliers pour l'inauguration de sa 4e édition de la Semaine de l'eau et des Sommes Humides. Alors merci à toutes et à tous d'être présents. Alors merci aussi, bien entendu, à Madame la représentante de Monsieur le maire de nous avoir donné toutes les facilités pour organiser cet événement dans les meilleures conditions. On essaye de leur montrer que Walt Disney, c'est très bien, mais c'est pas vraiment la nature. Et que les enfants peuvent voir ici ce qu'il y a des témoignages de nature, puisque c'est l'objet de cette exposition, c'est l'objet du Festival des Maillées, c'est l'objet de toutes les actions qui sont parallèles aussi, parce qu'elles ne s'arrêtent pas toujours là, elles se poursuivent dans les classes par la suite. C'est l'objet de l'information au niveau des instituteurs et au niveau des parents si possible, quand ils viennent, ça nous fait toujours très plaisir de les voir. Il ne m'a pas fallu longtemps pour entendre le discours et le comprendre. Et les chasseurs, je crois que c'est un milieu où particulièrement on préserve l'environnement. Et le discours qui a été porté, je vous en remercie Monsieur le Président, parce que lorsque, à notre dernier comité de pilotage, vous l'avez encore mentionné, on n'est pas là pour parler de la chasse, mais on est bien là pour parler de l'environnement à l'enfant et de ses futurs citoyens qui vont eux-mêmes transporter le message de oui, la planète est quelque chose de fragile qu'il faut préserver.